Bonjour à tous les broudines, bonjour à tous les broudeurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, on se retrouve sur la version japonaise de Dokkan Battle pour une nouvelle séance d'invocation sur le magnifique portail dédié à Gogeta LR Tech. Alors si vous avez vu mes vidéos récentes, vous savez que j'ai droppé le GOAT, dans la douleur, mais on a fini par le dropper. Mais voilà, un petit doublon, j'avoue que ce serait pas mal, et puis... Gotenks, le nouveau Gotenks Agilité, pardon, m'intéresse fortement parce que j'aime beaucoup jouer la catégorie Time Limit et ce Gotenks est un très très bon support pour cette catégorie. Du coup, nouvelle tentative. Alors, cette vidéo sera divisée en deux parties. Première partie, on laisse les broudeurs invoquer. Il y a des choses intéressantes. Et puis, bah, j'ai essayé de surfer sur la log des broudeurs et voilà, j'ai fait quelques multi. Avec mon petit Morito à la main, sur la terrasse du jardin, enfin la terrasse d'un mètre carré. Voilà, je vous montrerai le résultat d'ici quelques instants. Voilà, sur ce, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, comme d'habitude, le lien se trouve dans la description. J'en profite également pour vous parler de ma chaîne secondaire dédiée aux jeux console PC. Et actuellement, en train de faire God of War. Donc voilà, pareil, le lien se trouve dans la description. Bon visionnage. Donc vas-y, à toi de jouer. 500 DS. On lui donne de la force, les amis. Go, ah, oui. Lui donner de la force. Ah, ça commence pas bien. Oh, oh putain, non, mais j'ai envie de le goumer. Il dit, oh, c'est d'ailleurs pas bien, c'est mal parti. C'est escroc. Let's go. Ah, l'escroc, mais c'est pas possible, les gars. Je l'avais dit en plus, en une multi, je l'ai droppé. Il a déjà droppé en une multi, non, mais ça rend fou, là. Ah, ça fait plaisir. Non, mais c'est... Ah... Ah, là, 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 là. La grande... Le... Non, mais voilà. Pff, en plus, 3 SSR, dont le fameux Goku SSJ1. Ouais, 4 SSR, ça va être 3 SSR. Ah oui, 4 en plus, 4. Une multi, moi aussi, ça se trouve, je vais avoir Zeno aussi. Ichikabachikata. Encore en ciel, on va voir. Non mais c'est incroyable. En plus c'est mon premier Zeno, c'est ça le pire. Non mais après le portail il est worse en vrai. Dans le sens où bah, c'est un jeune compte et il y a beaucoup d'unités très intéressantes, tu vois. C'est pour ça que j'avais bien mis tout dedans. Au début j'avais 1000 DS et je me suis arrêté à 150 après l'avoir eu. Mais j'ai refarmé pour essayer d'avoir encore un peu. Non il n'y a rien, c'est sinon. Bah ça va, t'as plus en ZTVR? Oh non, j'ai un petit ZTVR, c'est plaisir quand même. All-in sur Gogeta, tu vas pas l'avoir sans doublon quand même. Ah. Ah. J'avoue, surtout Gotenks il m'intéresse aussi. Ah non, y a pas de fusion. Gotenks il m'intéresse de ouf. Gotenks, très bon support pour la catégorie Time Limit, tu vois. Et puis pourquoi pas un doublon de Gogeta. Oh. Non, un deuxième ce serait trop. Un deuxième ce serait plus que la gourmandise. Bon, il y a beaucoup de Goten là. Ouais, je me suis dit au début. Bon, là non, encore une fois. Après, c'est pas grave. C'est qui? Attends, ça a bugué? Ah, ça a bugué? Ah, c'est bon. C'est Goku, ok, Goku Super Saiyan. Non, c'est jamais. Zeno il peut pop à tout moment. Hein. Ouais, c'est ça le truc. Comme avant. Après, je suis déjà content, mon but c'était d'avoir un doublon minimum. Bah. Donc, ouais. C'est déjà un doublon en plus. Le doublon maintenant, cherche peut-être un autre LR pour le plaisir. Ouais. Bah, y a pas, je pense pas. Un autre LR, ouais. Non. Allez, un autre LR. Aïe aïe aïe, c'est quoi ça? Un autre Zeno? Non. Ah, ah! Peut-être. Allons, Kamehameha. Non, double bye bye. Peut-être le double? Non. Ah non, dommage. Ah. Non, toujours pas. Ah, après. T'as droppé beaucoup de Goten, hein? Hop là, Goku Super Saiyan familial, maintenant le fils. Allez, lui, les amis, donnez-lui encore un peu de force. Oh! Ça commence? Oh, le. Fusion? La fusion?
Le bleu ? Non. Non, c'est pas grave. C'est pas le bleu. Dokkan Fest is coming, les amis. Si, ce serait bien si c'était le Goten. Est-ce que Trunks et Goten égale Trunks et Goten ? Oh, ça va tout de suite. Ah, ah Gobro. Deuxième LR. Aïe, 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 aïe. Oh, le braquage. Le braquito. Le braquito. Oh là 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 là. Je l'ai alors encore un doublon, ça fait trop plaisir. What? J'ai eu peur. Ah ouais. Fest en doublon. Ah mince, je croyais que c'était au bout. Non mais là c'est incroyable là, ce qui s'est passé. Déjà 2 LR. Moi j'ai fait 350 DS, je suis reparti avec un seul Dokkan Fest. Comment j'ai le seum? Arrêtez-le. Bah non, il sort la planche de surf, les gars. Non, y'a rien. Merci beaucoup, Chris. Non, s'il y a rien. Merci beaucoup, Chris. Il reste 3 multi. 3 multi. Oh, oh. Allez, allez. Le bleu. Non, c'est pas grave. Tu sais qu'il y a quand même 3 LR, il y a quand même 3 LR sur, sur le portail. Non, j'ai eu peur. Il est en train de tout voler là, mais là j'avoue, il est en train de siffler le portail là. Oh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, il a pas à 100%. Il est pas à 100%. Allez, un autre. Non. Ah, dommage. Ça m'a fait un doublon, deux doublons supplémentaires. Allez, enfin, un autre LR. Un dernier LR. Non, c'est l'air, rien à voir, je pense. Ah, on sait jamais, hein, on sait jamais, les amis. On sait jamais. Tant qu'il y a des cartes, il y a de l'espoir. C'est vrai. Non, c'est pas grave. Ah. Alors... Avec tous les Goten que t'as droppé là, tu peux monter tes aspects là. C'est ça. T'as droppé Gogeta sur un single, bien joué. Dernière multi, les gars. Ah, c'est dommage. Un dernier Zeno pour la route. Non. Ah non, dommage. On va essayer de prier et après je vais faire 4 singles pour au moins utiliser les dernières que j'ai, les 20 dernières. A voir si je peux le dropper avec une dernière. Allez, un dernier pour la route, les amis. Un dernier, dernier des derniers. Non. Ah, dommage. Ah. Un Zeno, toi aussi? Je pense que c'est une petite chose. Un Zeno? Non. Ah, non. Le double. Le double cracking. Aïe aïe aïe. Pas de double cracking pour le brooder. Ah, Gotenks, mais pas le bon. Salut Sofiane. En fait, vous avez qu'une minute pour voter, c'est pour ça que certains ont tout. Ah, il y a quelqu'un qui a fait all-in sur toi. Tu le connais, l'Opsonic? Non. Bon, c'est un multi de chauffe. Oh. Allez, faille de rosé, frérot. La faille. La faille, c'est maintenant. Au pire, si je drop juste un Dokkan Fest, mais que c'est le bon. Ah, la faille. Oh là 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 là, le col. Oh, le grand casse pendant les 6 ans, idem. Aïe aïe aïe, l'Obsonic, c'est pour toi, frérot. Ça, c'est pour toi. Cadeau. Ah, l'escroc, oh, putain. Eh, mais moi aussi, j'ai envie d'invoquer là. J'ai jamais eu une faille sur la globale. Ça fait plus de 10 ans que je joue, jamais. T'as jamais eu la faille? Jamais une faille, jamais Zeno. Et là. Bah, tous ceux qui viennent ici, ils craquent des animations qu'ils n'ont jamais vues. C'est prouvé scientifiquement. J'étais venu la dernière fois, c'était sur un portail.
c'était le portail là, de Goku GT, j'ai eu le départ que j'avais seulement. J'ai mis 1500 DS le dernier anniversaire, je suis aucun des PLF. Aïe aïe aïe, ça pique. Bah la roue elle tourne, frérot, elle tourne. Elle retourne. Aïe aïe aïe, la Zizou. Aïe 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 aïe. Eh, c'est le deuxième de la soirée, les gars. C'est le deuxième, hein. Attention. Bon, bah les prédictions, les gars. Encore un brooder qui a plié le game, ça fait plaisir. Faut en profiter là, les marabouts ils sont pas là. C'est vrai, faut en profiter, les marabouts sont pas là, les gars. Non, il y avait 55%. Bah, il a droppé un LR, les amis. C'est qui vient avec. Aïe, 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 aïe. Le Braquito, les amis. Le Braquito. J'ai vu des brooders dropper. Je me suis dit, moi aussi, j'ai droit à une petite faille de rosé, un petit Whis, un petit Zeno. Bon, j'avoue qu'un petit doublon, ça serait vraiment pas mal pour ce coach. Même si en vrai, on n'a pas vraiment besoin de doublon pour le jouer tout simplement. Il fait assez bien le taf. De toute façon, bon voilà, encore une fois, il reviendra d'ici quelques mois. On pourra l'acheter avec les pièces rouges, ça tombe bien, il me reste quelques pièces rouges. J'ai juste acheté Goten et Trunks. Parce que je l'avais pas. Mais voilà, il me reste encore quelques pièces rouges pour acheter un doublon d'ici en général 4-5 mois. Et puis le Gotenks agilité. Très bon support pour la catégorie time limit. En fait, ce genre d'unité, ça m'agace un petit peu parce que si on les droppe pas lorsqu'ils sortent, ça va être très compliqué de les dropper parce que on peut pas les acheter. Et une fois qu'ils sont plus sur le détecteur, bah va essayer de les dropper. T'as autant de chances de les dropper que un LR hors détecteur sur un portail légendaire. Donc plus ça va, plus ça devient pénible. Ce genre d'unités qui sont très très bonnes, mais qui sont assez compliquées à dropper. Si on les drop pas tout de suite, bah c'est galère. Donc parfois, ça m'est déjà arrivé de continuer à invoquer juste pour essayer de dropper ce leader alternatif. En général, ce sont des leaders alternatifs de catégorie à 120%. Et très souvent, ce sont aussi de très très bons supports pour la nouvelle catégorie. Donc voilà, j'espère le dropper pour ensuite vous proposer une très bonne team time limit. Bon, time limit, j'avoue que même sans support, on fait des bons dégâts. C'est comme dégâts. C'est une team assez incroyable. Maintenant, évidemment, ça manque un petit peu de support pour cette catégorie. Donc voilà, on va essayer de dropper. Même si on a des supports, et là, Louis, il commence à m'agacer. Je vais tous les dropper en fait. Je vais tous les dropper. Alors, j'aime bien ce portail parce que en fait, je me fais mollarder comme jamais. Les Dokkan Fest, ça a du mal à venir. Enfin, on commence à voir le bout du tunnel. Est-ce qu'on va enfin dropper un Dokkan Fest? En fait, j'ai droppé qu'un seul Dokkan Fest sur le portail. Hein. À ce jour, j'ai dû faire presque 10 multi, je crois. J'ai droppé un Dokkan Fest. Voilà. Et là, c'est dur. Ah, c'est dur. Ah, c'est dur. Je l'avais déjà. En plus, il est à 100%. C'est dur. J'aurais préféré Gotenks agilité de ouf. Donc là, le seum est palpable, les amis. Je crois que mon Morito, il est un peu salé tout d'un coup, là. Donc voilà, on va s'arrêter là, je pense. Hein, si on ne drop pas... Quand tu vois ce genre de carte sur la dernière carte, tu sais que le jeu l'a dit non, stop, arrête. Hein. Ferme le jeu, profite du soleil. Voilà, ça c'est le message du jeu. Bon bah les amis, hein, bilan, 2 Dokkan Fest en 10 multi, 2 fois Gogeta, le bon et le pas bon. Voilà, c'est dur, c'est très très dur, mais bon, le plus important a été sécure. Dommage qu'on n'ait pas droppé le Gotenks, voilà. C'est maintenant. Dans combien de temps je vais le dropper? C'est déjà arrivé de dropper le leader à 120% dans 6 mois, tu vois. Il y a même des unités que j'ai toujours pas droppées. Hein. Zangia, portée disparue, les gars, j'arrive pas à la dropper. Et quand lorsqu'il était sur le détecteur, j'ai pas réussi à la dropper. Et maintenant qu'il est hors de détecteur, ben vas-y pour la dropper, quoi. J'espère qu'un jour on pourra les acheter avec des pièces. Voilà. Ou des points baba, mais enfin bref. Laissez-nous. La possibilité de les acheter,
parce que ça fait chier de devoir continuer à invoquer juste pour dropper cette nouvelle unité. Voilà, c'est un peu relou. Sur ce, passez une bonne journée, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube, et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, comme d'habitude, le lien se trouve dans la description. À très très bientôt. Ciao, ciao.